on ne pourra jamais vous aider, qui que ce soit, si vous n'acceptez pas d'être aidé. Pire, si vous n'avez pas envie ou faim de plus dans votre vie. Oh, écoute, moi, j'ai une petite maison, un petit couple, une petite communication, un petit travail, un petit métier, une petite voiture, une petite sexualité. J'ai tout qui est petit chez moi. Ça me va bien. Moi, une petite vie, ça va bien. Mais mensonge, c'est quoi ça? Qui veut d'une petite vie? Qui veut d'une petite relation dans son couple? Qui veut quelque chose de petit? Les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur. C'est que la plupart des gens ont tellement peur d'échouer, tellement peur de se prendre encore d'autres claques, eh bien qu'ils laissent tomber, qu'ils abandonnent. Voilà. Les gens qui ne veulent pas enrichir leur vie, eh bien c'est exactement ça le problème. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de se prendre à nouveau des désillusions. Mais si vous n'avez pas envie de changer de direction, ou d'enrichir votre direction, ou d'aller encore plus loin, de voir une plus grande direction, de voir grand, comme je le dis, de voir à 110%. Revenez à l'étape numéro 1, la gestion de vos peurs.